Voilà, donc là, on enregistre. Alors, donc, si je me rappelle bien, on s'était arrêté là, hier. Donc, une dernière discussion quelque part ici, si vous avez des questions. Bon, on s'était arrêté là. Donc, on était en train de dire, si vous vous rappelez, maintenant qu'on est en numérique, on parlait du fait que on va numériser le signal vidéo. Le signal vidéo jusqu'à présent. Voilà, on parlait d'un signal Hakda qui était analogique. Donc, on va numériser les composantes. Au lieu de numériser le signal composite, on va plutôt numériser les composantes séparément. Le Y wahdo, le PB wahdo, le PR wahdo. On va les numériser séparément. Ça donne des meilleurs résultats. Vous avez vu en TP, pour ceux qui ont fait TP. Donc, Hakda, c'est un signal composite qui comporte en un seul signal, vous avez le Y, la luminance et la chrominance. Là, on va les séparer, on va les numériser séparément. Et on disait, Bli, l'intervalle de synchronisation, on est obligé de le respecter quand même. Parce que pour plusieurs raisons, déjà les écrans, ils Obligé de demeurent. respecter. Pardon? Il y a une question ou là? Bon, je pense que c'était une erreur de manipulation. Donc, l'intervalle de synchronisation qui était valable en numérique, on est obligé de le respecter, la durée TAO. Par contre, son contenu, les niveaux de tension qu'il y a dedans, là, déjà, il n'y a plus de niveau de tension vu que c'est des échantillons, c'est en numérique. Les échantillons, on peut mettre n'importe quoi dedans. On doit juste respecter l'intervalle de synchronisation. Il commence ici et il finit ici. D'accord? Donc, maintenant qu'on est en numérique, on peut exploiter les intervalles de synchronisation. Donc, plus de composites, ça veut dire plus besoin de la salve de référence. La salve de référence, ah, il est KDIA. C'est ce petit morceau de porteuse qu'on utilise pour démoduler, hein, de la porteuse modulée qui contient quoi? La chrominance. Donc, KDIA, on n'a plus besoin de la transmettre. Et pas besoin d'un niveau négatif pour empêcher le faisceau d'électrons d'afficher pendant le retour. Donc, la valeur qui est négative, c'est écrit synchronisation horizontale. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin que les valeurs soient. C'est-à-dire, quand on va remplacer l'intervalle par des échantillons numériques, on a besoin juste, c'est ce que je viens de dire, on a besoin juste de savoir la synchronisation horizontale, et entre les deux, on peut mettre des données. Donc, bon, ça, je l'ai expliqué mieux. Donc, on a quand même besoin de synchronisation pour savoir où commence chaque ligne et chaque champ. Donc, là, par exemple, dans ce flux binaire, quand vous allez brancher un appareil, un décodeur de vidéo numérique, il commence à avoir des 0 et des 1. Bon, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Il utilisera les mots de synchronisation pour ça, pour savoir, ah, ici, il y a une ligne qui a commencé, ou là, il y a une nouvelle image qui a commencé. Donc, de plus, on a numérisé les signaux vidéo, mais les écrans restent toujours cathodiques. C'est-à-dire que jusqu'en 1980, ça, on numérise la vidéo, mais après, on la décode et on affiche quand même un écran cathodique. Et à cause de ça, on n'a pas besoin d'envoyer un signal négatif pour faire revenir le faisceau d'électrons. Donc, il y a de la fonctionnalité. Ça peut être juste le décodeur qui va la faire. C'est-à-dire, on n'a pas besoin que le flux binaire contienne le niveau de synchronisation négatif. Ada. Mais on a quand même besoin d'attendre qu'il retourne au début de la ligne et du champ. Donc, on pourrait s'arranger pour envoyer les données binaires plus lentement, mais ce n'est pas une idée très efficace pour réduire la bande passante. En gros, ce que je veux dire, Naya, c'est que c'est plus simple de dire, de respecter le signal vidéo qui m'accueille, c'est juste que, bon, à partir de maintenant, bien sûr, tout ça, c'est du numérique. Tout ça, c'est des échantillons, c'est des valeurs, t'as des échantillons. Mais c'est plus simple pour gagner de la bande passante. C'est pas la peine de se dire, je vais supprimer la synchronisation et je vais envoyer les données plus lentement ou le décodeur, il va les mettre en tampon. C'est pas la peine, on respecte la synchronisation. Le signal, on avait dit que c'était juste un signal vidéo, la fiche de l'audio. Et bien, tant qu'on passe en numérique, au lieu de supprimer cet intervalle, on va le garder
Et on va mettre là-dedans des infos qui peuvent être de l'audio, qui peuvent être des sous-titres, qui peuvent être ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une idée très efficace, d'accord? On en a profité pour ajouter des données en plus dans le flux binaire, par exemple l'audio pendant ces intervalles. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris cette histoire de rajouter des données pendant le flux binaire, pendant la synchronisation? Alors? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Je répète. Le signal vidéo. Vous voyez ce signal vidéo. Vous l'avez visualisé en analogique pendant le TP. Vous avez tous fait le TP. On a vu ce signal. On a vu ce signal. Can faire. En fait, je vais mettre un écran en blanc. Je vais dessiner. Vous aviez le signal. Bon, il faut savoir le dessiner. Et vous avez là, il fallait quoi? On a dit, pour avoir l'analogique, le signal analogique, il y avait toujours là une salve de référence. Là, il y avait un niveau qui devait être négatif à cause du faisceau d'électrons. Bon, là, j'ai pas bien très bien représenté. Ça, vous vous en rappelez. Le signal, il était comme ça. Là, vous avez par exemple ça, c'est qu'un niveau de gris. Mais là, par exemple, c'est un niveau de gris plus une porteuse couleur modulée. Ou là aussi, ou là aussi, ou là aussi. N'oubliez pas, quand on dessine ce signal, il correspond à la mire de couleurs. Il y a du blanc, jaune, cyan, vert et tout ça. C'est le signal. Je représente toujours ce signal parce que vous l'avez vu. Mais bien sûr, hein, pour d'autres images, ça va être un signal complètement différent. Donc, plus U, plus V. Plus U cosinus, plus V sinus. Donc ça, on appelle ça la ligne active. Ligne active. Elle dit c'est la ligne active. C'est-à-dire, dans le signal vidéo, dans le signal vidéo, il n'y a que ça qui représente des données que vous allez voir. Et ça, c'est le reste de la ligne. C'est la période de synchronisation horizontale. Donc, la ligne vidéo fera un moment de synchronisation et la ligne active. D'accord. Head l'intervalle. Maintenant, on va numériser. Donc, on ne va plus utiliser ce signal composite. Vous avez vu pourquoi ceux qui ont fait le TP2, on a dit le signal composite, il mélange les données, les données telles le Y et les données telles la chrominance U et V. Ils sont dans un seul signal. Et vu qu'on les mélange, on a parlé de ça aussi en cours, il y a des interférences. Et donc, ce n'est pas bien. Donc, tant qu'on passe en numérique, on va séparer, on va représenter, on va échantillonner chaque signal wahdo. Et on a parlé à la séance précédente comment on échantillonne. Qu'est-ce que je voulais faire là? Effacer l'écran. Non. Donc on va, en Hadoka, au lieu de faire ça, on va passer en Y par exemple, PB, PR, où là vous pouvez imaginer que c'est Y, UV. Hadoma, Andrum bien sûr, leurs intervalles de synchronisation. Après, ils prennent des valeurs. Par exemple, Y. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait le TP2, vous avez pris en photo les signaux. Donc ça, Doka, c'est des intervalles de rafraîchissement. Doka PBPR, il n'y a pas de porteuse modulée derrière. Il n'y a plus de porteuse modulée, vu que la porteuse modulée, c'était la couleur. Mais la couleur NF en composante, on a trois signaux directement. Donc, il n'y a pas de porteuse modulée. Donc, là, par exemple, si je me rappelle bien, il était quelque chose comme ça. Pour la mire, elle a dit que l'effet jaune, blanc, jaune, cyan, un truc comme ça. Après, encore, intervalle de synchronisation. Intervalle de synchronisation horizontal.
Et le PR, la même chose. C'est ceux-là qu'on va numériser, les trois. On va les numériser séparément. Et on a vu à la séance précédente, moi, il voulait Y, CB, CR. Et on a dit, on l'échantillonne à 13,5 MHz. Ou on les échantillonne à la moitié, 6,75 MHz. Et on a dit, parce que l'œil humain, il ne détecte pas trop les variations de chrominance, les variations de lumière. Alors, vous m'entendez? Oui, monsieur. Parce que j'ai une déconnexion. Bon, ça va, Zoom, il gère bien les déconnexions. Parce que là, rien ne découle. C'est-à-dire, c'est comme si je ne m'étais pas déconnecté. Donc, je reviens. Donc, on a dit, l'œil humain, il ne détecte pas trop les différences de PB, de PR ou là de CB, de CR. Donc, on échantillonne à une fréquence d'échantillonnage plus basse. Ah, les gars, là, j'ai résumé ce qu'on a dit pendant les séances précédentes. Donc, à ce que j'essaie d'expliquer maintenant, c'est que Naya a Monsieur, le. vous pouvez nous partager votre écran? Ah, j'ai. Ah, mince. Écran partagé. Voilà. Vous voyez Arda. Oui, c'est bon. Merci. Donc, discussion. Donc, ce que je disais, tout ce que je viens de dire, j'ai récapitulé les séances précédentes. Donc, à ce que j'essaye d'expliquer juste maintenant, c'est que l'intervalle qui correspond à la synchronisation horizontale, et il y a aussi un intervalle de synchronisation verticale, au lieu de le supprimer, on n'est pas obligé de le garder en numérique, mais on s'est dit il vaut mieux le garder et rajouter faire des informations en plus. Vu qu'après, de toute façon, l'écran cathodique, il va utiliser cet intervalle, on préfère envoyer pendant ce temps des données en plus plutôt que de le supprimer complètement. Et après, il faut synchroniser le signal vidéo. C'est-à-dire qu'il faut l'envoyer plus lentement, c'est-à-dire bande passante réduite, mais il faut synchroniser, il faut attendre que l'écran. C'est-à-dire qu'on va stocker les échantillons qui sont là, qui sont là. On va les en transmettre plus lentement. Ben, le décodeur, il va les stocker. À chaque ligne, il les stocke, il s'enchevilla et il les envoie à l'écran. Ben, l'écran qui où il aura accumulé un peu plus de points. C'est embêtant. C'est plus simple de se dire, on va garder cet intervalle au classe. On va dire qu'il commence là et il finit là. Et on va le remplir avec des données. Winhenaya, par contre, les données, c'est plus forcément le niveau négatif pour que le faisceau d'électrons n'affiche rien sur l'écran et tout ça. On n'a qu'un à la salve de référence. Hadouga, on n'a plus besoin en numérique. Mais la durée en elle-même, on préfère la garder. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. On reprend. C'est bon pour l'intervalle de synchronisation. C'est juste qu'on le garde. C'est juste qu'on garde l'intervalle, mais le contenu, on n'est pas obligé de mettre fait. La tension négative. Je vais le mettre à l'écran. 2 secondes. Qu'est-ce que je. Le signal à la ligne. Donc là, il y a trois signaux qui m'a. Déjà. Il y a pour le Y, pour le PB, pour le PR, là enfin CB, CR. Les échantillons, ils représentent les niveaux à chacun des signaux, Y, CB, CR. Et l'intervalle de synchronisation, on va le maintenir, mais on va en profiter pour mettre des données qui mettent l'audio et tout ça. C'est tout. Au lieu, et on n'est pas obligé de mettre des valeurs NAIA, on n'est pas obligé que. Le contenu de l'intervalle de synchronisation, il va exister, mais le contenu terme, il n'est pas imposé. Il n'est pas obligé que il donne 0 là, après ça descend en négatif, mettre ça remonte, mettre qu'il y a la salve de référence ADA et tout ça. Là, on n'est pas obligé. Le contenu, on peut mettre dedans ce qu'on veut. C'est tout. C'est bon, j'avance.
D'accord. Donc voilà, tout ça, je l'ai dit. C'est juste, le PowerPoint, ben, que je l'ai expliqué d'une manière bizarre, mais en réalité, c'est plus simple que. C'est-à-dire, je l'ai dit au début de la séance, c'est le PowerPoint qui est le faire, quoi. Mais ce n'est pas. Hein, d'accord. Donc là, on a déjà fait la recommandation. Donc là, on revient à la recommandation 601. Il y a qu'on avait vu la 601, mais là, on est en train de parler de la 656. Là, on va revenir vers la 601, des pages qu'on n'avait pas vues. Donc, la 601, déjà, donner la correspondance entre ligne active et entre la ligne active numérique. Je viens de dire c'est quoi la ligne active. La ligne active, c'est la partie de la ligne qui code vraiment ce qui s'affiche sur l'écran. Parce qu'il y a une durée et qu'il y a un intervalle de rafraîchissement, il ne code pas ce qui se passe sur l'écran. C'est la ligne active qui. Naya, la 601, ils vous ont donné Naya à une page plus tard qu'on n'a pas encore vue. Ils vous donnent la correspondance entre l'intervalle de synchronisation en analogique et en numérique. Donc, Naya, cette figure montre le cas d'un système 625 lignes. Donc, en haut, on a l'intervalle de synchronisation horizontale. Ça, c'est ce que je viens de dessiner. Mais en bas, on a les correspondances avec les échantillons Y, CB et CR. Donc, là, vous voyez, en analogique, pendant la synchronisation horizontale, on avait le niveau qui était nul, après il descend d'un négatif et il revient à zéro. En numérique, vous avez, on a décidé de mettre 720 échantillons par ligne, donc 720 échantillons Y par ligne. Donc là, vous voyez quoi? Échantillons de luminance et les échantillons de chrominance. Et pour le 422, on a 720 échantillons Y par ligne et 360 CB et 360 CR tenus par ligne. D'accord. Donc la ligne tbda hna, en fait, ça c'est la ligne précédente qui finit ici. Et où l'intervalle de synchronisation, il est là. Regardez, ils vous ont mis hna, ligne numérique n-1, elle finit là. Ou ligne numérique n, bon, il commence à compter maintenant. En fait, la ligne active tbda hna, 0. Tout ça, c'est des échantillons en plus. C'est là-dedans qu'on va mettre les données qu'on veut mettre en plus. Donc, à partir de l'échantillon pour le 625, à partir de l'échantillon 720 jusqu'à 863, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, bon, tout ce que je viens de dessiner sur le truc, je l'avais mis en animation. Donc, pour une vidéo 625 lignes, on a l'équivalent de 144 échantillons Y à attendre. 144, comment je l'ai trouvé? C'est 700. Si vous faites 863 moins 719, vous trouvez 144. Et en plus, c'est des échantillons Y. Donc, en fait, ça fait 288 mots de 8 ou 10 bits qu'on peut envoyer pendant ce temps. Parce que n'oubliez pas qu'on ne transmet pas que Y. On transmet Y, CB et CR. En fait, on peut, où chacun, par exemple, il est codé sur 8 ou 10 bits. On va dire qu'ils sont codés en 8 bits. Vous avez Hna, Hada, c'est un mot. Vous aviez Hada, Hada, Hada. Hadouga, c'est des mots de données qui ne codent pas pour la vidéo. Ce n'est pas des échantillons, ce qui est affiché sur l'écran. C'est des échantillons qui ne s'affichent pas sur l'écran. Donc, au lieu de mettre des valeurs, on va mettre là, des données auxiliaires, ça s'appelle, des données en plus. D'accord. On appelle cet intervalle l'intervalle de suppression numérique. C'est écrit là. Ou en anglais, c'est Digital Blanking Interface. Interval. Digital Blanking Interval. Ici, nous parlons de l'intervalle horizontal. Donc ça, c'est ligne par ligne. Là, on est en train de parler d'une ligne. Donc on est en train de parler de l'intervalle de suppression numérique horizontal à la fin de chaque ligne. Mais à la fin de chaque trame technique, il y a la synchronisation verticale. Donc
La recommandation 656 donne les numéros des lignes correspondantes à l'intervalle de synchronisation verticale. C'est-à-dire que pour une ligne, je vais essayer de dessiner d'ailleurs, écran blanc. Vous avez votre écran. Vous avez fait des lignes. Qu'est-ce une durée pendant laquelle le spot il est en train de revenir au début de l'écran. Donc ça, ça correspond à quoi? Quand vous aviez votre ligne avec la salve de référence, vous aviez par exemple des niveaux de gris. Vous aviez ce petit intervalle. C'est de lui qu'on parle. Mais n'oubliez pas aussi, à la fin de l'écran, on va remonter tout en haut de l'écran. Donc, en plus de cet intervalle, et on peut mettre faire des données à la fin de chaque ligne, on peut en plus, à la fin de toutes les lignes de l'écran, pendant le temps où le spot d'électron remonte tout en haut, il y aura tenu une longue durée, une durée beaucoup plus longue que celle-là, hein, une durée beaucoup plus longue que celle-là, où il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran. Et on est obligé d'attendre le temps que le spot d'électron remonte. Donc ça, la durée, elle dure plusieurs lignes, carrément. La durée Taha, elle dure 25 lignes, par exemple. C'est-à-dire que Naya, comment je fais pour revenir au diapositive, Naya, il y a une correspondance dans la recommandation 656. Il vous donne les numéros des lignes correspondantes à l'intervalle de synchronisation verticale. Donc, Hamlik, pour le 525 lignes, vous avez la ligne 1 à la ligne 20. C'est en fait, vous avez ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, jusqu'à 525. Bessah, de la ligne 1 à la ligne 20, il n'y a rien. C'est un intervalle de synchronisation. C'est des lignes qui sont vides, carrément. Donc là, il y a 20 lignes en moins qui ne s'affichent pas. Ou kif-kif, même pour le... Ça, c'est champ par champ. N'oubliez pas qu'il y a une champ 1, champ 2. Field. Donc, n'oubliez pas qu'il y a deux champs. Dans une image, dans une trame, il y a deux champs. Donc, pour le champ 1, vous avez les lignes 1 à 20 qui correspondent à la synchronisation verticale. Et pour le champ 2, vous avez une vingtaine de lignes. Regardez, 283 moins 264, ça fait 19. Donc, vous avez... aussi 20 lignes qui ne s'affichent pas à l'écran. Donc, qui met l'intervalle de synchronisation horizontale, il ne s'affiche pas à l'écran. Donc, on peut mettre faire des données. Même l'intervalle de synchronisation verticale, il ne s'affiche pas à l'écran et on peut mettre faire des données. D'accord? Là, peut-être que c'est un peu flou, ça, normalement, Doka, il va y avoir une image qui va mieux expliquer. Donc, juste, je vais vous faire cette remarque, parce que normalement, on devait le dire même depuis le chapitre 1. En réalité, en système 525 lignes, nous ne voyons que 486 lignes sur l'écran. 486, mnin djibtou, c'est 525 moins 20 moins 20. Bon, vous allez me dire moins 20 moins 20, ça fait 485, et je suis d'accord. C'est juste hkayet hnaya, ligne 0, de 1 jusqu'à 20, il y a... C'est-à-dire vous comptez le 0. De 0 jusqu'à 10, il y a 11 et tout ça. Donc, on ne va pas chipoter sur 486 ou la 485. L'important, gardez juste bli. Il y a environ 480 lignes Borg qui s'affichent sur l'écran. Donc, là, il est 525 moins 20 moins 20. Vous trouvez 485. Et même en 625 lignes, si vous faites 625 moins... Alors, bon, là, justement, il faut compter. 624, 625, plus 23, ça fait 23 plus 2. Donc là, il y a 25 lignes, il y a Tairo. On a 336 moins 311, ça fait 25 lignes Tani qui ne s'affichent pas à l'écran. Donc en réalité, en système 525 lignes, on ne voyait que 486 lignes sur l'écran. Et pendant le reste des lignes, ça correspond au spot qui remonte tout en haut de l'écran. Et en 625, vous voyez que 576. J'ai mis Naya, c'était aussi le cas en analogique. D'accord. Maintenant, gardez juste en tête que ce n'est pas toutes les lignes qui s'affichent sur l'écran. Naya Doka, le schéma, il résume mieux la situation. Donc, je l'ai trouvé dans un document. Maintenant, c'est beaucoup plus clair.
Si vous voyez Naya, vous avez how ce que vous voyez vraiment sur l'écran. Voilà ce que vous voyez vraiment. Champ 1, champ 2. Voilà ce que vous voyez sur l'écran, je veux dire en entrelacé. Donc vous voyez champ 1, champ 2, champ 1, champ 2, champ 1, champ 2. Mais en réalité, question, si vous voyez les signaux, vous voyez que là, gars, il y a des lignes en plus. Il y a des lignes en plus. Et dans chaque ligne, il y a un intervalle de synchronisation horizontal. D'accord. Donc avec, à travers les animations, on va bien parler de ce head le schéma et à la fin, je vais vous demander si vous avez, si vous m'avez suivi. Donc, ce schéma résume très clairement la situation. Alors, l'image est constituée de deux champs qu'on peut dénoter F égale 0 et F égale 1. Vous voyez, champ 1, champ 2, regardez là, F égale 0, F égale 1. Donc, pour ce champ, vous avez F égale 0. Et pour le champ 2, vous avez F égale 1. Il n'y a que deux champs, hein? Champ 1, champ 2, champ 1, champ 2. Maintenant, le lit sera champ 3. Après, le nombre total de lignes est 525 ou 625. Le nombre total de lignes. Donc, de là jusqu'à là, il y a 525 ou 625 lignes. 525 ou 625, ça vient, il y a que du NTSC, PAL, c'est comme, il y a que NTSC, qui a 525 lignes, et PAL, c'est comme, 625. Mais nous ne voyons pas toutes les lignes. Les lignes en bleu clair à Doma, vous ne les voyez pas, et c'est écrit, elles correspondent au rafraîchissement vertical. Certaines lignes font partie de l'intervalle de rafraîchissement vertical dénoté par V égale 1. Donc, je ne sais pas si vous voyez, Naya. V égale 1, vous voyez, V égale 1, V égale 0. Il n'y a rien à afficher pendant ces lignes, le faisceau d'électrons est en train de remonter. Donc, là, il y a les lignes qui sont en haut. Elles ne correspondent à rien, c'est juste qu'on est en train d'attendre le faisceau d'électrons en haut de l'écran. On peut mettre des informations pendant toutes ces lignes. Donc là, ça fait beaucoup d'informations qu'on peut mettre, hein, parce que c'est des lignes entièrement vides. Bon, ben, on parlait de mettre des lignes juste à l'intervalle de synchronisation horizontale, mais là, il y a carrément des lignes entières qui sont vides. Pour chaque ligne, il n'y a rien à afficher pendant l'intervalle de rafraîchissement horizontal dénoté par H égale 1. Donc là, on a fini de parler du rafraîchissement vertical. Ça qu'a le rafraîchissement horizontal. Ou le rafraîchissement horizontal, il est toujours existant dans toutes les lignes. Il est toujours là. C'est-à-dire, le rafraîchissement vertical, il dure que pendant quelques lignes, c'est-à-dire une vingtaine de lignes. Mais là, l'intervalle d'ailleurs, pour l'horizontal, il est présent pour toutes les lignes. Et il est dénoté par H blanking, horizontal blanking. Et là, vous avez H égale 1. Pendant cette durée, vous avez H égale 1. Et pendant cette durée, vous avez H égale à 0. Et bien sûr, la même chose dans le champ 2. Là, H égale 1. Non, là, c'est H égale 0. Là, c'est H égale 1. D'accord? Quand on va finir de parler de cette image, je vais vous laisser poser des questions. La ligne active contient 720 échantillons. La ligne active Wurrahé, c'est ce qui s'affiche vraiment sur l'écran, contient 720 échantillons Y et on a 288 octets qu'on peut remplir de données pendant le rafraîchissement horizontal, H-blanking. Maintenant, H-blanking, on a environ 288 octets qu'on peut remplir avec des données. Donc ça je l'ai déjà dit, donc ce n'est pas nouveau en vrai, en réalité. Et la recommandation 656 prévoit que chaque ligne active commence et finisse par une séquence de synchronisation. Les séquences de synchronisation, vous les dénotez par Start of Active Line, ça dénote le début d'une ligne. Et end of active line, ça dénote la fin d'une ligne. D'accord? Bon, avant de passer à ce slide, je vous demande si vous avez suivi les explications. Normalement,
هاد ليماج هادي اللي هضرنا عليها ستادير هاد لو شيما il vous a expliqué qu'est-ce que j'essayais de dire في les diapos précédents. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que si vous avez bien compris cette image, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur cette image? Regardez-la bien et dites-moi si est-ce que vous n'avez pas compris dessus. Est-ce que vous avez compris tout ce qu'il y a écrit sur cette image? Les autres. J'attends. Hein. Regardez bien cette image et dites-moi si vous avez tout compris faire. Jihan Chiri a levé la main. Qu'est-ce que je fais? Parlez au classe. Excusez-moi, monsieur, j'ai Oui. appuyé sur le mauvais bouton. Ah, d'accord, bon, s'il n'y a rien à rajouter, mais là, j'avance. Bon, la réunion, elle va terminer. Donc, je sais que ça peut vous déranger à chaque fois d'avoir à vous reconnecter, mais c'est la seule manière. Ben, j'enregistre les séances. Donc j'avance, si c'est clair. Alors, la figure 1 de la norme résume bien les choses. Donc, elle montre l'ordre de transmission des échantillons Y, CB et CR. Aylik. Donc, la figure 1 où je fais A. Vous voyez, Naya, bon, ça c'est à peu près la même image qu'on a vue tout à l'heure. On a vu une image comme ça. Donc, c'est juste, Naya, ils vous mettent les échantillons, t'as la luminance, t'as la chrominance rouge, t'as la chrominance bleue, et ils vous montrent juste que ils sont transmis dans cet ordre 0, 1, 2. Donc pour le 4, 2, 2, vous avez l'échantillon 0, t'as le CR et t'as le CB, il correspond aux deux premiers échantillons, t'as le Y, c'est du 4, 2, 2. L'échantillon, le deuxième échantillon, Naya, il correspond à C2, Naya. L'échantillon numéro 359, il correspond pour Had les deux. C'est juste la correspondance entre les échantillons. Donc, ça c'est bon. Après, ils vous les ont mis Naya, sous une forme différente. Donc, ils les ont mis, c'est-à-dire la norme 656, comment ils vous demandent de les envoyer. Ils vous demandent de les envoyer, Colna, CB. Y, CR, Y, CB, Y, CR, Y, CB, Y, CB 359, Y 718, CR 359, Y 719. Après, on va voir ce qui se passe pendant cet intervalle, ou Hadahua, l'intervalle de rafraîchissement horizontal. Alors, bon, la réunion va se terminer, donc j'arrête et je relance tout de suite. Hein. Donc, arrêtez le partage. Arrêtez l'enregistrement. C'est bon. Connexion Internet est instable. C'est bon, vous voyez l'écran, je reprends.
Bon, monsieur. D'accord. Donc, la figure 1 de la norme résume bien les choses. Donc, elle montre l'ordre de transmission des échantillons Y, CB et CR. Donc, Hamlik, CB, CB0, Y0, CR0, Y1. On va juste à la fin de la ligne, ça devient CB359, Y718, CR359, Y719. Après, à partir, donc, Hadouma, les dernières, le Y719, vu qu'on a commencé à compter à partir de 0, c'est Mahoua, le 720e échantillon Y de la ligne. À partir de là, vous avez l'intervalle de rafraîchissement horizontal. Donc, dès qu'on a envoyé le 710, le 720e Y, Haulik, on a quatre mots de données correspondant à une séquence de synchronisation. Donc, Haulik, end of active video. Vous voyez que c'est quatre mots de données. D'ailleurs, je vais vous montrer Haulik. Il y a quatre mots là. 1, 2, 3, 4. Donc, là, vous voyez même la figure d'au-dessus, c'est écrit « Replaced by timing reference signal ». Donc, vous avez le 720e échantillon Y. Après, vous n'avez plus d'échantillon. Vous avez un signal de référence de timing. Donc, là, ils ont juste montré que ce rôle avant, après. Donc, avant le remplacement et après. Donc, là, il y a la ligne d'en dessous, après le remplacement, justement. Vous n'avez plus CB360, Y720, CF. Vous avez autre chose. La séquence de synchronisation est... Alors, le premier mot, c'est 3FF en binaire. C'est 1111111111. Le deuxième mot, on avait dit, si vous vous rappelez, on avait dit les valeurs, la quantification, les valeurs 1111111111 et 0000000 sont gardées pour la synchronisation. Eh bien, Haïlik, 3FF, 000, ça veut dire que c'est la synchronisation. On est en train de les utiliser pour la synchronisation. Donc, le troisième mot, c'est 000, donc en binaire, c'est 000001. Et il y a un quatrième mot, XYZ, qui varie en fonction de la position du signal de référence. Donc, pour résumer, j'ai zoomé sur la figure, vous avez là, c'est au lieu d'avoir CB360, Y720, CR360, Y721, vous avez 3FF, 000, 000, ou là, XYZ, Kulhtara Kifesh. Donc on va voir qu'est-ce qu'il contient ce XYZ. Le mot XYZ nous renseigne sur notre position dans le flux binaire. Donc, Haulik, fourth word, XYZ. Haulik, ils ont donné Naya, first word, 3FF. Second word, 000. Third word, 000. Fourth word, XYZ. Où je fais XYZ, Haulik, fais 1. On va le bit F, le bit V, le bit H, les bits P0, P1, P2, P3. On va 0 et 0. On va les bits F, V, H, on les a déjà vus, hein, l'image radique dont on parlait tout à l'heure. Donc F égale 0 pour le champ 1 et F égale 1 pour le champ 2. V égale 1 pendant l'intervalle de rafraîchissement vertical et H égale 1 pendant l'intervalle de rafraîchissement horizontal. Donc, vous voulez que je revienne en arrière? Là, il y a Haulik. Haulik F. Haulik F. Haulik V. Ou Haulik H. Donc, le mot XYZ, il vous dit exactement donc à quel niveau vous êtes dans cette image. Par exemple, si on prend un exemple, donnez-moi un exemple. Je prends au hasard, je prends F égale 0, V égale 1 et H égale 0. Au hasard. Donc je suis où? Je suis dans le premier champ, donc je suis quelque part ici. V égale 1, donc je suis dans l'intervalle de rafraîchissement vertical. Et H égale 0, donc je suis quelque part ici. Après, dans quelle ligne je suis exactement, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir rien qu'avec le mot XYZ. Mais n'empêche que je sais à peu près où ranif la vidéo. D'accord? C'est clair ça?
Je ne peux pas voir vos messages. Oui, monsieur, 10h21 de ce matin. Oui. Voilà. Donc, c'est bon pour le FVH. FVH, c'est facile. C'est juste où est-ce qu'on est dans la vidéo. Voilà, tout ça, je l'ai dit. Donc, après... Les bits P3, P2, P1 et P0 servent de bits de protection. Un bit de protection, vous en avez peut-être parlé dans le module codage et compression. Ils dépendent des valeurs de FV et H. Donc, Hamlik, c'est donné dans. Donc là, ça c'est le tableau 2, c'est la norme. Vous avez le tableau 3. Il vous donne les valeurs de P1, P2, P3, P, de. Qu'est-ce que je raconte? De P3, P2, P1 et P0. En fonction des valeurs de F, V et H. D'accord? Donc, si vous avez l'exemple que je viens de prendre, j'ai pris F égale 0, V égale 1 et H égale 0. Ça veut dire que pour cette combinaison de F, V et H, je vais mettre P3 égale 1, P2 égale 0, P1 égale 1 et P0 égale 1. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est des bits de protection. C'est pour détecter les erreurs. C'est de la redondance. C'est de la redondance. Donc, vous voyez que normalement, j'ai 8 bits. J'ai combien? 1, 2, 3. J'ai 7 bits. Donc, 7 bits, normalement, un D, 2 puissance 7, ça fait 128. C'est ça. 128 combinaisons possibles. Mais vous voyez qu'en réalité, j'ai que 8 combinaisons qui ont vraiment un sens. Moi, si je trouve n'importe quelle autre combinaison que les 100, que les 120, que les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que les 8, ça veut dire que j'ai eu une erreur. Donc, les bits P3, P2, P1, P0 permettent de détecter ou de corriger une erreur dans les bits F, V et H. D'accord? Vous avez vu ça en codage et compression. Donc, c'est de la redondance, c'est tout. C'est bon? Allez, je ne mets pas la fenêtre de... Alors, après la séquence EAV, donc la séquence EAV, on a dit qu'elle est où? Elle est là. Elle était après le 719e, le 720e échantillon Y. Donc, après la séquence EAV, on a 288 moins 8 mots, ça fait 280 mots, où on peut placer n'importe quelle info qu'on veut. Donc, ça peut être de l'audio, des sous-titres, le numéro de la ligne. Et le numéro de la ligne, on ne sait pas dans quelle ligne on est. Donc, on peut mettre le numéro de la ligne, par exemple, et on appelle ça des données auxiliaires. Donc, tout ça, pendant tout ce temps, là, ce que j'ai entouré en rouge, vous pouvez mettre des données auxiliaires. Après les données auxiliaires, vous avez quatre mots encore de synchronisation. Et donc là, c'est la séquence SAV, Start of Active Video, qui indique qu'on est maintenant au début d'une nouvelle ligne. Donc, Naya, vous aviez quatre mots. Donc, vous aviez 3FF, 000, c'est en hexadécimal. Hein. 3FF, 0, 3FF, 000, 000, XYZ. Naya, après, vous avez des données auxiliaires, ça peut être n'importe quoi. Après, Naya, vous avez maintenant encore 3FF, 000, 000, et un autre mot, XYZ, qui dit, cette fois, on est au début de la ligne. Donc, remarquez que pour EAV, on a toujours H égale 1, et pour SAV, on a toujours H égale 0. Et je vous ai mis, essayez de comprendre pourquoi. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à comprendre. Je vais essayer de revenir là. Donc, on avait Heilig. Non. Had le mot. On a dit c'était la séquence EAV, c'était 3FF. Je ne peux pas écrire facilement. Je crois que je vais laisser tomber d'écrire. 000, 000. Et on avait XYZ. Et dans ce XYZ, on avait H égale 1. Vu qu'on est au début de l'intervalle de rafraîchissement horizontal. Donc après, on a toutes les données auxiliaires. Donc, on atteint SAV,
Donc on a encore une fois 3FF, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Après on a X, Y, Z. Donc fait home F, V et H. Donc F et V, ça dépend. On aura un champ 1, champ 2. Ou là, est-ce qu'on est l'intervalle de synchronisation verticale ou pas? Mais après le H, là, le H pour le SAV, il vaut toujours H égale 0. Ou alors, il vaut toujours H égale 0 parce que vous voyez qu'à partir de maintenant, on est dans la ligne active, c'est-à-dire que les échantillons qu'on va donner maintenant, ils représentent vraiment les valeurs telles les pixels derrière. Voilà. Donc, c'est bon, tout ça, on a vu. Et tout ce que j'ai dit après, c'est les données transmises pendant les intervalles de synchronisation. Donc, ce qu'on transmet pendant ce temps NAIA, ce qu'on transmet pendant cette durée, sont l'objet d'une autre recommandation, la recommandation ITUR BT 1364. C'est-à-dire, en gros, ça, on a dit, on peut mettre ce qu'on veut NAIA, les données auxiliaires, mais il faut quand même obéir à la norme Hadia qui, on ne va pas l'étudier, elle n'est pas au programme. Voilà. Et donc là, on atteint la fin du chapitre, donc on va juste conclure. Donc, les signaux vidéo dont nous avons parlé pendant ce chapitre étaient toujours non compressés. Vous avez remarqué, mis à part le fait d'utiliser le 422, on n'a pas parlé de compression du tout. Donc la vidéo, elle est fidèle. Mis à part le sous-échantillonnage de la chrominance que votre œil ne remarque pas, la vidéo, elle est sans perte, c'est-à-dire c'est une transmission sans perte. Les débits binaires requis étaient toujours très élevés, donc débit binaire élevé, ça veut dire bande passante nécessaire élevée pour la transmission. Donc pour la télévision analogique, on avait environ 8 MHz de bande passante pour un canal. Naya, on a 270 mégabits par seconde, c'est-à-dire 270 MHz de bande passante nécessaire. Le chiffre tel 270 mégabits par seconde, on l'a calculé là, vous savez normalement d'où il vient. Il vient de 13,5 MHz fois 2 parce que K1 c'est B et c'est R. Et comme on a 10 bits par échantillon, donc ça donne 270 mégabits par seconde. La transmission de signaux non compressés est utile au sein des studios de télévision, c'est-à-dire entre une caméra et un équipement par exemple, on peut se permettre d'utiliser aide la méthode de transmission, c'est-à-dire avec l'interface SDI dont on a parlé la séance précédente. Pour transmettre des données aux téléspectateurs, il va falloir exploiter la compression de données et ça sera l'objet du chapitre prochain. Donc voilà, donc on a fini le chapitre 2. On va rentrer maintenant dans le chapitre 3, c'est-à-dire la compression MPEG. Est-ce qu'il y a des questions? 2 secondes, parce que je vais ramener mon chargeur. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le chat. Je remets enregistré. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, j'avance, chapitre 3. Y a pas, vous voulez pas que je revienne sur quelque chose, chapitre 4, chapitre 2. J'ai pas l'impression. Bon, donc je continue, chapitre 3. Donc, généralement, on a dit, on était en train de parler pendant tout ce temps de vidéos non compressées, transmission de vidéos non compressées. En tout cas, on vient d'expliquer pourquoi la vidéo non compressée, on ne va pas pouvoir l'envoyer aux téléspectateurs. Donc, là, on va rentrer dans le chapitre 3 qui parle des techniques de compression vidéo et audio. Donc, pour introduire le chapitre, on va prendre un exemple. Les flux vidéo et audio de haute qualité sont très gourmands en bande passante. Donc, prenons un exemple. Vous avez une vidéo, par exemple, faite à 640 colonnes, 480 lignes, à 25 trames par seconde, avec un son mono et à 16 000 Hz. Donc bon,
c'est pas vraiment une vidéo, c'est même pas une vidéo de haute qualité. Parce que 16 000 Hz pour la musique, pour n'importe quoi, en dehors de la parole, c'est pas suffisant. Le son mono, personne ne veut du son mono. Vous voulez toujours au moins du stéréo. Et 25 trames par seconde, c'est pas beaucoup. Qu'il y ait une 30 trames, qu'il y ait une même plus. Et finalement, même 640 fois 480, en HD, c'est à partir de 720 lignes. Donc tout ça, en réalité, on ne va même pas parler d'une vidéo haute qualité. Donc un pixel fait 3 octets. Donc 8 bits pour le roux, pour le vert, 8 bits pour le rouge et 8 bits pour le bleu. S'il y a 640 colonnes et 480 lignes, ça donne combien de pixels pour une trame? Ça donne ben, le produit. 307 200 pixels pour une trame. 307 200 pixels fois 3 octets, vu que 1 pixel laisse le 3 octets. Donc ça vous donne 921 600 octets pour une seule trame. Donc ça fait déjà 921 kilo-octets. Donc presque 1 méga. Après, vous avez dit c'est une trame, mais si on a 25 trames par seconde, donc vous faites encore 921 600 fois 25. Et ça va vous donner 23 millions 40 000 octets pour une seconde. Donc ça fait 23 mégaoctets par seconde. Et si vous avez en plus l'audio, ça c'est que pour la vidéo. L'audio avec 8 bits par échantillon, et ce n'est pas beaucoup, on utilise 16 bits, vous avez 16 000, une seconde d'audio, c'est 16 000 octets par seconde. Donc vous rajoutez encore 23 millions 40 000 plus 16 000. Ça fait 23 millions 56 000 octets par seconde. Ça donne 184 millions 448 000 bits par seconde pour une vidéo Hagda de mauvaise qualité en plus. Donc ça donne 184 mégabits par seconde pour une vidéo de qualité, mais je dirais basique, moins que basique. Donc, même en sous-échantillonnant la chrominance, donc là, remarquez que j'ai pris RGB, RGB. Bon, il y a qu'on avait dit qu'on pouvait sous-échantillonner la chrominance. On peut passer en YCBCR et on donne deux fois moins d'échantillons CB et CR que pour le Y. Mais même en faisant ça, si vous faites les calculs, vous allez trouver que vous avez quand même 154 mégabits par seconde pour une vidéo de qualité très, très médiocre. En utilisant une modulation 64 QAM, c'est-à-dire 6 bits par symbole, on a besoin d'une bande passante de 25,6 MHz pour une vidéo. Donc là, bon, ça c'est des calculs de communication numérique avancée. Vous avez ce débit binaire, vous prenez de la modulation 6 bits par symbole, il vous faut quand même, vous allez trouver qu'il vous faut 25,6 mégabauds. Méga symboles par seconde. Donc, s'il vous faut 25,6 méga symboles par seconde, donc il vous faut 25,6 mégahertz pour une vidéo. Donc, pour une vidéo de basse qualité et avec un son de basse qualité et qui exploite déjà le sous-échantillonnage de la chrominance. Donc, vous voyez que finalement, la compression, ce n'est pas un luxe, on est obligé de l'utiliser. Les chaînes TV analogiques utilisaient unique environ 6 MHz de bande passante. Là, on était passé en numérique justement d'une certaine manière pour réduire la bande passante. Donc, pour le moment, madrenawalo, c'est très difficile de transmettre les vidéos numériques. Donc, il va falloir ruser pour résoudre ce problème. Donc, comment on va ruser? Il va falloir analyser l'information contenue dans l'image et dans le son et voir comment supprimer la redondance. Donc, pour le moment, on dirait qu'on a fait une bêtise en passant en numérique, mais à travers le MPEG, on va pouvoir analyser la vidéo d'une manière très détaillée. C'est-à-dire en restant en analogique, on n'aurait jamais pu voir, analyser le pixel, il contient comme ça, la trame suivante, il ne va pas changer, donc je peux le compresser et tout ça. On peut faire ça que si on passe en numérique. Donc, idéalement, il ne faut stocker que l'information utile et se débarrasser de l'information inutile. Ça paraît logique, ça, pour faire de la compression. On garde que l'information qui a un sens. Tout ce qui est information inutile, ce n'est pas la peine. Là, par exemple, si vous regardez le côté gauche de l'image,
Les pixels ne changent pas. Il n'y a pas d'information là. Il y en a au fur et à mesure que la vidéo avance, il n'y a pas de changement là, les pixels. Donc, ils gardent la même valeur. Ou là, parfois, il y a du mouvement. Donc, la vidéo en général, dans la plupart du temps, si vous faites attention, il y a rarement du mouvement en même temps sur toutes les parties de l'image. La plupart du temps, vous regardez la télé, vous voyez, c'est vrai, par exemple, il y a quelqu'un qui parle, et derrière lui, à la limite, il y a des gens qui passent, celui-là, mais le reste, la plupart de la vidéo, elle est stable. C'est-à-dire, mais chez la plupart de la vidéo, là, une grande zone ce qui se passe sur l'écran ne change pas. Donc, de plus, la plupart du temps, on atteint, ça c'est une information pertinente. De plus, la plupart du temps, il y a des visages ou des corps humains à l'écran. Alors pourquoi je dis ça? Il y a des visages ou des corps humains. On peut construire le modèle d'un visage, on le stocke, et après on dit juste, par exemple, on peut faire en sorte que on modélise un visage humain ou là une tête humaine, et on dit, donc, votre décodeur, il connaît un visage humain qui fait Shredem, et vous lui dites que la tête Tahedsi en particulier, voilà comment elle diffère du modèle. Un dos des yeux bleus, un dos ses yeux ils sont écartés de telle distance, vous voyez, c'est paramétrable. Donc le fait qu'on sait que la plupart du temps, qu'est-ce que vous voyez à l'écran finalement? On ne voit pas du n'importe quoi. La plupart du temps, par exemple, vous voyez les infos, ou là une émission, ou là même un film. La plupart du temps, vous voyez quelqu'un qui parle. Donc, c'est utile de savoir, il y a beaucoup de moments où c'est un visage humain qui est à l'écran. Donc, c'est une information, mine de rien, qui a son intérêt. Bien sûr, du visage ou des corps humains. Donc, la même chose pour les corps humains. Donc, si le décodeur, elle a bel oublié, un corps humain, il a deux jambes, deux bras, deux pieds, deux mains et tout ça. C'est des informations qu'on n'est pas obligé de transmettre. Donc tout ça va rentrer. Ce que je viens de dire, Naya, c'est plutôt le MPEG-4. C'est très poussé comme compression. Donc pour le MPEG-2, surtout, là, on va parler du MPEG-2 dans ce chapitre. Il n'y a pas vraiment de la modélisation, tu as les visages ou là, les corps humains. Donc pour l'audio, donc ça je parlais de vidéo. Pour l'audio, on exploite les imperfections de l'oreille humaine. Premièrement, quand on écoute une fréquence, par exemple 1000 Hz, on n'entend pas les fréquences voisines. Donc il y a un masquage fréquentiel. Si vous regardez Naya, voilà le spectre d'un signal. Vous remarquez Naya, la fréquence entourée en vert, elle génère que quand vous l'entendez, votre oreille, elle ne répond pas que à cette fréquence. Elle répond sur le fait que vous entendez cette fréquence, vous n'arrivez pas à entendre plein de fréquences qui sont juste à côté. Donc regardez, la fréquence entourée en vert masque les fréquences entourées en bleu. D'ailleurs, quand vous entendez cette fréquence, elle cause une sorte d'enveloppe. D'ailleurs, tout ce qu'il y a tête avec l'enveloppe, tête avec le seuil, vous l'entendez plus parce que vous êtes en train d'entendre cette fréquence. Tout ça, vous l'entendez plus. Ça, vous l'entendez un peu, alors qu'en réalité, il a quand même toute cette amplitude. Ça, vous l'entendez un peu. Même chose à Naya. Ça, vous l'entendez, je suis à work. Et ça aussi. Donc, on peut exploiter ça pour faire de la compression. C'est-à-dire, par exemple, les trois fréquences qui sont entourées en bleu, ce n'est pas la peine de les transmettre, vu que de toute façon, on ne va pas les entendre. Bien sûr, la compression, elle est faite par des êtres humains pour des êtres humains. Donc, par exemple, si vous compressez d'une certaine manière, capable votre chat, il va distinguer que vous avez supprimé des fréquences. Mais on s'en fiche, on est en train de faire de la télévision pour des êtres humains jusqu'à preuve du contraire. Deuxièmement, ça c'était, on appelle ça le masquage fréquentiel, parce que vous voyez qu'on était en train de parler en fréquence. Qu'est-ce le masquage temporel? Quand un son commence ou s'arrête, quand un son commence ou s'arrête, on n'entend pas certains sons qui viennent juste avant ou juste après le son principal. Donc il y a un masquage temporel. Regardez. Naya, les petits morceaux de son, vous ne les entendez pas. Parce qu'il y a le son, un masking tone. À cause de son, il génère une enveloppe
une enveloppe temporelle qui fait que tout ce qu'il y a derrière l'enveloppe, vous ne le remarquez pas. Donc, il y en a kif-kif. Pour compresser, je peux garder ça à 0 et ça à 0. Et le 0, bien sûr, il est facile à compresser. C'est-à-dire, quand on a beaucoup de 0, vous avez fait le codage RLE, Run Length Encoding. C'est-à-dire, vous pouvez dire, à partir de là, il y a 128 0. Ou là, à partir de là, il y a 257 0, ou là, 323 0. Là, le fait d'avoir beaucoup de 0, si on annule le signal, si on l'annulait pas, on pourrait dire. Il y a là environ 100 zéros, c'est des zéros. Après, il y a ça, il faut donner le signal tao. Après, on peut se remettre à dire là, il y a beaucoup de zéros. Mais là, non, de toute façon, on ne va même pas entendre ça. Donc on peut dire tout ça, c'est des zéros. Donc tout ça, c'est des zéros. Et ça, il y a un plus fort taux de compression si vous faites ça. Ou il y a une autre chose, l'audio. Donc là, j'ai mis les sons entourés en vert sont masqués par le son principal, masking tone. Masking tone. Donc le troisième facteur, l'oreille humaine est beaucoup plus sensible aux variations de basse fréquence qu'aux variations de haute fréquence. Donc par exemple, dans les basses fréquences, si je vous joue la sinusoïde de pi ft, avec f égale 50 Hz ou là avec f égale 55 Hz, vous allez remarquer que c'est drôle, vous remarquez la différence. Alors que les hautes fréquences, si je vous joue 10 000 Hz et 10 500 Hz, c'est une même différence. Il y a 5 Hz de différence. 10 000 ou la 10 500, vous ne remarquez pas. Votre oreille ne remarque pas la différence. Donc ça aussi, c'est utilisé pour compresser l'audio. Donc on va voir plus tard comment. Là, je suis juste en train de donner l'idée globale, les idées globales pour la vidéo et pour l'audio. Toutes ces redondances sont exploitées dans les normes MPEG. Alors là, il est le logo de la norme MPEG. Donc, le MPEG, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le chapitre où ce mot technique de compression audio et vidéo, moi, je vais surtout parler du MPEG parce que c'est le MPEG qui est utilisé dans la télévision analogique, dans la télévision numérique, telle que Antnaf, d'accord. Donc c'est surtout le MPEG qu'il faut connaître, quoi. Donc les normes MPEG. Donc déjà, MPEG, ça veut dire Moving Pictures Experts Group, groupe d'experts d'images mouvantes. Donc c'est un groupe qui a été formé en 1988 par Hiroshi Yasuda et Leonardo Chiraglione. Je crois que c'est un Italien. Ah, il reste 10 minutes quand même, hein. C'est-à-dire on a fini la séance. Donc dans 10 minutes, nahabsou. Donc le MPEG est différent du JPEG. Alors on dirait que c'est des acronymes qui se ressemblent. Donc JPEG, ça veut dire Joint Picture Experts Group, créé par des personnes différentes. Et le JPEG compresse des images simples, alors que le MPEG compresse des vidéos et de l'audio. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais le MPEG exploite le JPEG pour certaines images. Donc, il y a certains liens. On va voir plus tard qu'il y a une certaine catégorie d'images qui exploite tout simplement le JPEG dans la vidéo. D'accord? Le MPEG est un format propriétaire. Ça veut dire que les normes sont payantes. Pour avoir une norme MPEG, il faut l'acheter. Et combien elle coûte? Elle coûte environ 200 euros. Ça fait 25 000 dinars, si vous faites le. Bon, le calcul, je l'avais fait l'année passée, donc je ne sais pas. Ça fait environ 25 000 dinars par document. Donc, les documents les plus importants sont disponibles sur Google. Bon, là, ce que je veux dire, c'est que Hadouma, les normes sont payantes, à le prix Tahom. Mais bien sûr, Kima, vous pouvez voir des films que normalement que vous n'avez jamais achetés. Les documents les plus importants, vous cherchez MPEG, nanana, vous allez trouver des PDF. Normalement, vous devez pas les trouver, c'est-à-dire les personnes qui les ont mises sur Internet, normalement, ont des problèmes. Mais de toute façon, tant mieux pour nous, parce personne ne serait prêt à payer les sommes. Voilà. Donc, grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on va réussir à vous présenter le cours. Donc,
Le groupe MPEG a produit trois normes principales. La norme, le MPEG 1 en 1993, le MPEG 2 en 1995 et le MPEG 4 en 1999. Après, ils ont arrêté parce que le MPEG 4, jusqu'à présent, je crois qu'il n'est pas exploité à 100%. Par exemple, finalement, le format que vous utilisez le plus pour l'audio, pour les chansons sur vos téléphones, vous utilisez le MP3. Et le MP3, c'est du MPEG 1. C'est encore du MPEG 1. On est en 2020. La plupart des gens utilisent encore le format MP3, c'est-à-dire qui est régi par la norme MPEG 1. Ou MP4, c'est très rare où vous gardez vos chansons au format MP4. Il existe d'autres normes moins importantes que nous ne verrons pas. Il n'y a pas de MPEG-3. Alors, si vous faites attention, MPEG-3, ça n'existe pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a le format point MP3 que qu'il y a la norme MPEG-3. D'accord? Le travail sur le MPEG-3, ce qui s'est passé, ils allaient commencer à faire une norme MPEG-3. Après, ils se sont dit, bon, tout ce qu'on est en train de rajouter, c'est pas très différent du MPEG-2. Donc, finalement, le MPEG-3 a été absorbé dans le MPEG-2, c'est-à-dire MPEG-2, je refais MPEG-2 et MPEG-3. Donc directement, on est passé au MPEG-4. Alors, deux points importants pour briller en société, d'ailleurs, c'est-à-dire, la plupart des gens, justement, MP3, ils vont vous dire c'est qui m'a qu'un MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, c'est MP3 et MPEG-4. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de norme MPEG-3. Le format MP3 utilise en fait la partie 3 de la norme MPEG-1. D'accord? Donc, point MP3, c'est MPEG-1 partie 3, couche 3. C'est le 3, il vient de là. Parce que quand je vous dirai MP2, ce n'est pas MPEG-2, c'est MPEG-1 partie 3, couche 2. C'est de là que viendra ou qu'est-ce MP1. C'est MPEG-1 partie 3, couche 1. Donc c'est de là que vient l'extension point MP3. Et le format MP4, c'est le format vidéo MP4. Donc MP3, c'est que de l'audio. Et MP4, c'est de la vidéo. Le format MP3 fait que de l'audio. Et le format MP4 fait de l'audio et de la vidéo. D'accord? Et en fait, c'est MP4 partie 14. Donc je vous donne un résumé global des trois normes. Donc le MPEG 1 en 93 visait à réduire la taille des vidéos avec l'audio afin de faciliter leur stockage sur des supports de stockage numérique, disque dur, CD ou autre. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est que là, on ne parle que de stockage de vidéos et d'audio. On ne parle pas de transmission. Là, on est dans quel module? On est dans le module télévision numérique. D'accord? Donc on parle normalement de diffusion. Donc le MPEG 1, il n'était pas utilisé pour la télévision. Le MPEG 2, il permet la télévision numérique. Il ajoute un format de transport plus résistant aux canaux bruités qui n'existait pas pour le MPEG 1. Il supporte les vidéos entrelacées. Là, en quoi c'est important ça? Les vidéos entrelacées. Il y a Chefna, PAL, CECAM, NTSC, c'est toujours des vidéos entrelacées. Donc, c'est important de supporter les vidéos entrelacées pour la télévision numérique. Et possibilité de sélectionner des niveaux de qualité, scalability. Ça veut dire, surtout quand vous mettez sur YouTube, vous pouvez régler, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous mettez 144p. Là, c'est 3, 144, c'est 240, je crois. Vous mettez 240, 360, mettez 480, 720. Donc, les niveaux de qualité. Ça, c'est permis grâce au MPEG 2. Au MPEG 1, vous n'aviez pas cette possibilité. Et le MPEG 2 apporte énormément de nouveautés pour le son. Donc, vous avez le son surround. On va voir c'est quoi qu'il y a l'air. Un seul flux peut transporter plusieurs langages, c'est-à-dire un seul flux MPEG 2. Vous avez en général la vidéo FEHA, par exemple, certaines chaînes, vous pouvez passer du français à l'allemand, par exemple. Si vous allez sur Arte, vous pouvez passer du français à l'allemand. Ça aussi, c'est permis par le MPEG-2. Et vous avez une nouvelle méthode de codage pour l'audio,
qui s'appelle Advanced Audio Coding, c'est-à-dire le codage audio tel le MPEG-2, finalement, c'est le même que le MPEG-1. Donc, il est rétrocompatible. Mais ils ont rajouté un autre codage Naya qui n'est pas rétrocompatible et qui est propre au MPEG-2. Bon, alors la réunion va s'arrêter. Donc, je pense qu'on va arrêter là la séance, du coup. Parce que Hadik, c'est l'heure. On a 1h30. Bon, Dana, je suis, mais bon. Donc, à la prochaine. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Charge.